notre analyse des regards portés sur l'affaire Dreyfus au cours d'une séance qui nous réunit. C'est la 9e séance de notre cycle pour cette année. Et dans le cadre de ce cycle, des conférences sont proposées qui nous permettent, en appui des séances régulières finalement, d'accueillir des chercheurs qui ont eu la gentillesse, le soin et peut-être le courage aussi de s'inscrire dans le cadre que nous avions défini. Rappelons ce cadre, hein, il s'agissait de proposer d'analyser l'affaire Dreyfus sous d'autres regards, au travers d'autres regards que ceux des historiens à proprement parler. Donc ces regards d'historiens manquent de légitimité, loin de nous cette pensée, face aux travaux impressionnants de Vincent Duclerc, de Philippe Auriol ou d'Alain Pagès, pour ne parler que des plus contemporains. Mais il fallait se rendre compte aussi de ce que pouvaient exprimer d'autres voix, comme celle par exemple de Drummond, de Barrès ou de l'écrivaine Gippe. Si nous avons demandé à Marie Aignier de bien vouloir nous prêter main forte dans cette entreprise, c'est que la première, elle a fait place à ceux qui d'habitude n'intéressent guère les grands critiques ou certains historiens, parfois fort éloignés des dépôts d'archives et de la poussière des vieux papiers. Marie Aignier, docteur en histoire de l'Université de Toulouse-Le Mirail, agrégée d'histoire, est aussi secrétaire générale du comité d'histoire de la ville de Paris. Nous l'accueillons aujourd'hui parce qu'elle a consacré sa thèse aux correspondants anonymes qui, pour la plupart, par leurs lettres, leurs paroles, ont contribué dans l'ombre et le repli des enveloppes à l'affaire Dreyfus. L'idée était, me semble-t-il, particulièrement judicieuse, particulièrement originale aussi, belle piste de vraie recherche, qui a donné naissance à un livre qui s'intitule « Les amis inconnus, se mobiliser pour Dreyfus », paru chez Privat en 2011. Alors, je suis ravi qu'elle ait pu se joindre à nous ce soir pour présenter un propos intitulé « Dreyfus et ses amis inconnus ». Je lui cède la parole tout de suite. Je vous remercie. Je vous remercie d'abord pour cette invitation. Je suis un peu intimidée après Vincent Duclerc, Alain Pagès, Philippe Auriol. Et puis, merci pour votre présentation de mon travail. En effet, je vais pour ma part vous parler des amis inconnus de Dreyfus. Donc, pour être sûre qu'on n'ait pas de problème de connexion, je vais aussi couper ma caméra jusqu'aux questions. Et le PowerPoint est affiché. Alors, j'ai commencé… Ah, si ça veut… Voilà. J'ai commencé, puisque vous êtes dans l'aube, j'ai commencé par choisir parmi mes amis inconnus, un inconnu qui avait envoyé une lettre depuis l'aube. Alors, j'ai un peu triché parce que Jean Chantavoine, en vérité, est étudiant en Paris. Donc, c'est certes un inconnu, mais c'est un lettré. Et puis, il est à la fois parisien. Et alors, je ne sais pas s'il est en villégiature, à Mussy-sur-Seine. Mais voilà, cette lettre venait de l'aube. Et voilà pourquoi je l'ai choisie pour commencer. D'autant qu'elle est très révélatrice de ces correspondances dreyfusardes que j'ai étudiées et sur lesquelles je vais revenir. « Mon capitaine », écrit-il donc à Alfred Dreyfus, le 12 septembre 1899, donc juste après la grâce de Dreyfus, « on m'assure que vous n'êtes pas insensible à la poignée de main des inconnus qui, de près ou de loin, vous plaignent et vous admirent. Alors permettez-moi de vous envoyer le témoignage tout simple mais ardent et sincère d'une sympathie confiante. C'est l'exemple de votre courage même, où je puise pour vous l'espoir le plus ferme de la justice complète et du bonheur rendu. J'ai le regret d'être trop jeune pour marcher au premier rang dans la bataille d'humanité qui s'est livrée autour de vous, mais je serais fière si vous vouliez bien me compter parmi les honnêtes gens, maintenant innombrables, dont la pensée vous demeure respectueusement fidèle et dévouée. » Elle est symptomatique, cette lettre, parce qu'il se désigne lui-même comme un inconnu. Et si j'ai choisi ce titre des amis inconnus, c'est parce que beaucoup des correspondants de Dreyfus, de Zola, de Gérard Kestner se désignent ainsi eux-mêmes comme des amis inconnus. Et la suite de la lettre aussi est très révélatrice, enfin, très symptomatique de ces lettres. Il plaint, hein, mais il admire aussi Dreyfus. Et souvent, Dreyfus est apparu comme une victime. Et c'est la biographie, hein, peut-être de Vincent Duclerc qui a montré à quel point il était aussi un acteur de sa cause. Et donc là, ce correspondant l'admire.
Et puis, il envoie avec modestie ce témoignage simple, mais sincère. On retrouve la sympathie des amis si on lit la lettre. Et puis, voilà, il est au second rang derrière les intellectuels qui seraient au premier rang, mais il se considère comme dans la lignée, dans la suite de ces intellectuels, comme un honnête homme. Donc, on trouve là des thèmes qu'on va retrouver très fréquemment dans les lettres dreyfusardes et sur lesquels je vais revenir. À la fois, voilà, cette admiration pour l'homme, cette sympathie, cette compassion pour Dreyfus et cette volonté aussi d'appartenir à ce peuple dreyfusard, peut-être pas au premier rang, mais derrière les intellectuels qui ont pris la défense de Dreyfus. Une autre lettre, alors celle-ci, pour le coup, connu mais de très célèbre Marcel Proust, qui n'est pas encore tout à fait celui qu'il va devenir au moment de l'affaire, mais pour ma part, à peine, alors c'est une citation du côté de Guermantes, et vous le voyez, il revient d'un salon et il constate que les discussions sur l'affaire Dreyfus partagent l'ensemble de la société. Pour ma part, à peine rentrée à la maison, j'ai retrouvé le pendant de la conversation qu'avaient échangée un peu auparavant Bloch et M. de Norpois, sous la forme brève, invertie et cruelle. C'était une dispute entre notre maître d'hôtel, qui était dreyfusard, et celui des Guermantes, qui était anti-dreyfusard. Et Proust, plutôt le narrateur, qui rapporte ces deux conversations, constate que les vérités et les contre-vérités qui s'opposaient en haut chez les intellectuels de la Ligue des Patriotes ou de la Ligue des Droits de l'Homme se propageaient, écrit-il, jusque dans les profondeurs du peuple. Mais il précise que les vagues de dreyfusisme et d'anti-dreyfusisme qui de haut en bas divisaient la France étaient silencieuses. Mais les rares échos qu'elles émettaient étaient sincères. Donc c'est ce silence que peut-être j'ai voulu interroger en même temps. Même si ce silence peut, puisque vous avez suivi plusieurs conférences sur Dreyfus, ce silence peut vous paraître paradoxal. Pourquoi paradoxal? D'une part parce que l'idée de la foule, moi j'ai aussi travaillé sur cette question, est très associée à l'affaire Dreyfus. Si vous avez vu le film de Polanski, qui a été beaucoup discuté sur certains aspects, mais qui sur ce point est assez montre bien ces foules. Dans le film, là, il y a une image qui reconstitue l'image qui est à gauche sur l'écran, l'image de la dégradation d'Alfred Dreyfus, où on voit que la foule est massée pour assister à la dégradation, et à droite, un tableau d'Henri de Groux avec Zola à la sortie du prétoire pendant son procès en février 1898, où on voit aussi la foule qui se presse et même qui menace Zola qui sort de l'audience. Donc, on voit bien que cette idée, voilà, pourquoi ce silence, alors qu'en même temps, l'idée de vacarme, peut-être, de foule a aussi été associée à l'affaire Dreyfus. Silence, c'est aussi un terme qui peut paraître paradoxal, tant l'affaire a suscité une production bibliographique très importante, pléthorique, et justement, tant ces ouvrages ont aussi souligné le fracas des manifestations. Donc peut-être, voilà, entre ce brouhaha et ce silence, je voulais essayer de sonder l'opinion française au moment de l'affaire Dreyfus. Mais cette question de l'opinion ou de ce silence pose un problème évident, qui est celui des sources et qui est un problème récurrent lorsqu'on s'interroge sur l'opinion publique. Dans quelle mesure les sources qui révèlent des opinions sur l'affaire, qui nous donnent des opinions sur l'affaire, sont-elles révélatrices d'une opinion ou d'une opinion moyenne ou d'une opinion française ou d'un sentiment plus général de l'opinion? Comment, dans le foisonnement des ressentis, la multitude des points de vue, comment, dans le fourmillement des sentiments, peut-on approcher une opinion et proposer une vision d'ensemble? Donc cet aspect de l'affaire a longtemps été un peu mis de côté, effectivement, par les historiens, alors même qu'avec Joseph Reynac, l'histoire de l'affaire s'écrit juste après l'affaire, ou presque en même temps que l'affaire, mais l'opinion a été sondée plus tard, et en 1961, dans les annales, par exemple, Jean-Pierre Péter regrettait que
ce qu'il appelait le vrai problème de l'affaire, posé par l'affaire, non celui de l'erreur judiciaire, mais celui finalement de la raison de la rupture d'une nation en deux camps affrontés, n'avait pas été jusque-là observée. Et dans un ouvrage qui s'appelle « La France de l'affaire Dreyfus » qui est paru en 1994, pour le centenaire du début de l'affaire Dreyfus, Pierre Birnbaum, lui aussi, constatait dans un point historiographique qu'on connaissait mal les répercussions de cette affaire sur le corps social dans toute sa diversité, critique. Alors depuis, pourtant, ces retentissements ont été étudiés et ont davantage intéressé les historiens. Il y a des historiens anglo-saxons se sont intéressés à ces retentissements. Ils ont d'ailleurs eu tendance à un petit peu minorer l'impact de l'affaire sur le pays réel. Mais voilà, y a-t-il vraiment eu une affaire Dreyfus ou est-ce que ça n'a intéressé qu'une partie infime de l'opinion? Mais alors, outre ces interrogations historiographiques, il y a aussi de nombreuses études régionales qui ont montré, au contraire, toutes les ramifications de l'affaire. Et un exemple peut-être, celui de la Bretagne, qui a été particulièrement étudié peut-être parce que le procès de Rennes s'est tenu précisément en Bretagne, mais donc Jean Guiffant, Colette Cognier, par exemple, André Hélard, Jean-Yves Veillard, plusieurs historiens se sont intéressés à l'affaire Dreyfus en Bretagne, par exemple. Alors, bien sûr, il est impossible de dire ce que pensaient vraiment les Français de l'affaire Dreyfus, et je ne me risquerai pas à le faire, mais je voudrais seulement souligner, essayer de comprendre la façon dont une partie de l'opinion, une partie probablement minoritaire, très minoritaire, face à ce... Parmi ceux qui se sont exprimés, cela étant déjà minoritaire, puisqu'on peut il y a une grande partie de l'opinion qui restait sinon indifférente, du moins silencieuse, effectivement, face à l'affaire, parmi ceux qui se sont exprimés, les Dreyfusards, une minorité infime, donc, ont été moins entendus, probablement parce qu'ils étaient moins bruyants, puisque toutes ces manifestations, ces foules, sont davantage le fait des anti-Dreyfusards. Et d'ailleurs, plusieurs davantage de travaux leur avaient été consacrés. Donc, j'espère avoir montré que même si cette minorité est très minoritaire, elle n'est pas inexistante et c'est une minorité concernée, pensante, mobilisée, qui s'est engagée dans le camp de Dreyfusard. Donc, les inconnus dont je vais vous parler, je les ai étudiés dans un moment très circonscrit, entre l'automne 97 et l'automne 1899. Je me suis concentrée donc sur cette opinion revendiquée et j'ai essayé de comprendre quelle représentation, comment ces Français, cette minorité s'est représentée l'affaire Dreyfus, comment, à la lumière des éléments dont ils pouvaient avoir connaissance, ces Dreyfusards, on peut les appeler comme ça, même s'ils se revendiquent, ils n'utilisent pas très souvent ce terme, comment, au contact d'individus peut-être plus informés, à la lecture des journaux, comment ces groupes ont essayé de comprendre l'affaire, quelles représentations se sont-ils faits de l'affaire. Et donc, il s'agit d'appréhender, pour moi, un vécu de l'affaire, ou une affaire vécue, je ne sais pas, mais comment ces individus non seulement ont compris l'affaire, se sont convaincus de l'innocence de Dreyfus et de la nécessité de se manifester, c'est-à-dire comment ils sont partis d'un sentiment d'injustice individuelle à une mobilisation collective pour dénoncer cette injustice. Alors, les sources, donc les archives de police, je passe assez vite puisque c'est des sources qui avaient été davantage étudiées et les archives de police, c'est essentiellement des rapports de police locaux. Hein. Je suis quand même allée dans une trentaine d'archives départementales et voilà, chaque semaine, chaque quinzaine, on a un rapport sur l'état des esprits. Donc, la police rend compte hein, de l'opinion dans sa circonscription. Donc, évidemment, ce qui ressort dans ces archives, c'est les événements les plus saillants, ceux qui peuvent déranger l'ordre public et peut-être moins des convictions intimes ou d'autres façons de se mobiliser, plus discrètes, moins tapageuses. Alors, je me suis du coup intéressée aussi aux lettres et aux pétitions qui présentent l'avantage d'observer de l'intérieur les représentations
de l'affaire, d'en mesurer peut-être une expérience intime et de comprendre donc les motifs de l'adhésion au combat des Hussards. Les fonds d'archives, je les ai indiqués ici rapidement, au musée de Bretagne et au musée d'art et d'histoire du judaïsme, ont été déposées les lettres adressées à la famille Dreyfus, à Lucie et Alfred Dreyfus. À la Bibliothèque nationale de France, on trouve les lettres à Scherer Kestner, les lettres à Émile Zola, pardon, ou quelques lettres à Émile Zola, mais les lettres essentiellement à Scherer Kestner et à Mathieu Dreyfus. Aux Archives nationales d'Outre-mer, on trouve aussi quelques lettres qui ont été envoyées à Dreyfus, à l'île du diable. Et puis, je l'ai oublié ici, il y a aussi au centre item du CNRS des copies des lettres adressées à Zola. Alors, peut-être, donc de nombreuses pétitions ont été lancées et suivies au cours de l'affaire. C'est le camp de la révision, le camp Dreyfusard qui en a eu l'initiative avec ce document qu'on a appelé le Manifeste des intellectuels, qui a recruté, comme son nom l'indique, essentiellement dans les milieux universitaires et littéraires de la capitale. Mais après cette première tentative, les pétitions se sont multipliées de part et d'autre. Il y en a une qui est très connue, qui est le monument Henri du côté des anti-Dreyfusards, qui a été étudiée notamment parce que le ton est très violent, très antisémite. Mais le camp Dreyfusard a produit aussi de très nombreuses pétitions. Alors, au mois de mars 1898, on peut en retenir deux appels aux femmes de France qui paraissent, l'un dans Le Siècle et l'autre dans le journal La Fronde, qui est un journal féministe écrit, rédigé, composé par des femmes. Et donc, ces deux textes réclament que Lucie Dreyfus puisse les lettres de son mari non censurées et éventuellement ne puisse le rejoindre à l'île du diable. Autre pétition importante qui a été la plus utile statistiquement pour moi, la pétition de soutien à Picard à l'automne 1898, et également, alors celle-là non publiée, il y a eu des pétitions lancées par Le Siècle et par l'Aurore en faveur de Dreyfus au lendemain de sa condamnation à Rennes. S'y ajoutent à ces pétitions diverses souscriptions qui invitent, à différents moments de l'affaire, les lecteurs des journaux Dreyfusard à soutenir, à apporter leur soutien financier, si modeste soit-il, à la cause et à la diffusion de la propagande Dreyfusard. Donc, il y a une souscription pour l'affichage de la lettre du lieutenant-colonel Picard, de la lettre de Madame de Mont au garde des Sceaux et de la note d'Alfred Dreyfus en réponse au discours de Cavaignac pendant l'été 98. Il y a une souscription pour propager la vérité au printemps 99. Il y a une médaille Zola, il y a de l'argent récolté pour fondre une médaille pour Zola, pour un monument à Scherer Kestner à l'automne 99. Donc on voit qu'il y a une multiplication de textes pétitionnaires ou de souscriptions. Pour les anti-Dreyfusards, je l'ai dit, donc la Libre Parole lance une souscription à l'automne 1898 pour soutenir la veuve et l'orphelin du colonel Henri. Donc, l'étude précise de ces listes et leur traitement statistique par la création d'une base de données permettent de savoir quelle part de la population a été touchée par les arguments de Dreyfusard, quel caractère et quelle qualité partageaient ceux qui se sont expressément déclarés comme Dreyfusard. Il est assez difficile de connaître le contexte et les modalités précises du recueil des signataires. On trouve quelques, donc par exemple, les signataires des pétitions en faveur de Picard sont recueillis par plusieurs journaux et par la Ligue des droits de l'homme. Donc on en trouve quelques exemplaires. On trouve des télégrammes, par exemple, adressés aux journaux, conservés aux archives nationales. On trouve souvent, il faut noter que c'est une démarche collective, c'est-à-dire que les Français s'adressent par commune, par atelier, par cage d'escalier presque, en famille, et envoient une liste, une première liste aux journaux auxquels ils s'adressent. D'ailleurs, les journaux encouragent leurs lecteurs à faire circuler les listes. Par exemple, en septembre 1899, il y a un article dans l'Aurore qui s'appelle « Notre pétition » et on encourage les pétitionnaires à aller plus loin. Pétitionner peu de choses si chaque signataire ne s'impose pas la tâche de gagner le plus grand nombre de signatures.
Donc là encore, j'ai cherché dans l'Aube, qui n'est pas, je dois dire, le département le plus signataire des pétitions Dreyfus. Néanmoins, il y a des signataires. Donc, par exemple, dans l'Aurore, le 1er décembre 1898, donc en faveur de Picard, il y a plusieurs conseillers municipaux et généraux du département, 9, qui signent la pétition pour Picard. Le même jour, il y a plusieurs membres du journal Le Petit Troyen, journalistes et ouvriers typographes, qui signent aussi cette pétition. Et le 8 décembre 1998, on trouve une trentaine de signatures qui se suivent les unes les autres, enfin qui paraissent les unes à la suite des autres dans le journal. Donc, c'est pour moi l'indice que le journal les a reçues toutes en même temps. Et elles viennent aussi de Troyes. Et parmi ces signataires, plusieurs ont indiqué qu'ils sont ouvriers, par exemple un ouvrier carrier. Donc, aussi, on peut imaginer que c'est dans le cadre de leur travail que cette pétition a été signée. Donc, les journaux locaux, on le voit là avec le petit Troyen, les partis politiques, les personnalités locales, peut-être j'y reviendrai, sont mobilisés pour signer les pétitions. Il y a aussi des lieux de sociabilité où on signe, par exemple dans les cafés. À Marseille, il y a un bar qui s'appelle le bar des gourmets sur lequel on a affiché une pancarte avec écrit « On signe ici, ici on signe la pétition de Dreyfus, la pétition de l'Aurore, pardon, la justice pour Dreyfus ». Parfois, on trouve aussi dans les pétitions quelques mentions qui précisent où elles ont été signées. Et donc, on trouve des signataires de l'Hérault qui disent que les signatures ont été recueillies au Café de la Bourse, appelé Café Dreyfusard. Mais voilà, le défaut de ces pétitions, c'est qu'on ne sait pas trop dans quel contexte elles ont été recueillies, qu'il y a beaucoup de doublons, qu'il y a probablement beaucoup d'erreurs de saisie. Mais quels que soient les défauts de cette source, et si prudent doit-on être dans son traitement statistique, elle présente l'avantage d'être l'expression du sentiment ou de l'opinion d'un grand nombre de personnes. Hein, la pétition Picard a recueilli plus de 40 000 signatures. Donc, ça permet de se faire quand même une idée, sinon complète, sinon exacte, hein, du moins représentative, de la population dreyfusarde dans sa quantité et dans sa diversité, au-delà des cercles intellectuels parisiens, certainement les plus actifs, mais aussi les plus visibles. Donc, j'ai aussi étudié, je l'ai dit, des lettres de soutien adressées par des milliers de Français, alors à peu près 3500, il y en a plus que ça, mais qui sont adressées donc, à la famille Dreyfus, qui sont adressées à Mathieu Dreyfus, je l'ai dit, à Scherer Kessner, à Joseph Renac, à Émile Zola, à Louis Havet. Donc, comme les pétitions, ces documents ont l'avantage d'offrir l'expression sans médiation interprétative d'une prise de parti en faveur de Dreyfus. Et elles permettent surtout de compléter l'approche statistique puisqu'elles traduisent le caractère intime du choix dreyfusard. Elles éclairent vraiment les motifs d'adhésion au camp de la révision et parfois la raison de manifester publiquement aussi cette adhésion. Donc, on voit bien que c'est deux moyens de mobilisation très différents puisque la pétition, c'est malgré tout un acte public, délibérément public. Les noms des pétitionnaires sont publiés dans les journaux. Donc, elle présente un risque. Là, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, mais voilà, il y a certains fonctionnaires, par exemple, qui hésitent à signer les pétitions, alors que les lettres ne sont pas destinées à la publication. Même si certains épistoliers précisent que, à leur destinataire, si vous jugez que ma lettre peut être utile dans la défense de Dreyfus, faites-en l'usage que vous voudrez. Mais c'est relativement rare. La lettre, on voit bien, elle oscille entre sphère publique et sphère privée, puisqu'elle s'adresse tout à la fois à un personnage public, en tant que tel, mais par un mode de communication privé qui va briser la distance entre l'anonyme et la personnalité reconnue. La lettre est donc peut-être pas un moyen d'agir efficace, mais plutôt la volonté de toucher son correspondant et de le conforter, de l'encourager dans le combat engagé. Même si, là aussi, j'ai fait une petite parenthèse, il faut probablement un peu de courage quand on est un parfait inconnu, parfois pas très à l'aise avec la rédaction et qu'on s'adresse, par exemple, à Émile Zola, quand même, un écrivain très renommé. Il faut quand même une certaine dose de courage.
Voilà, donc l'analyse systématique des thèmes, du vocabulaire, aussi des lieux communs, des figures récurrentes, permet de, voilà, de mesurer la réception de la propagande dreyfusarde. Et ces lettres tracent parfois tout un parcours intime, finalement, de l'antidreyfusisme ou de l'indifférence jusqu'au dreyfusard, au dreyfusisme. Alors, j'avance puisque le temps passe. Donc, le paysage dreyfusard, donc l'étude exhaustive de ces protestations et notamment de l'hommage à Picard, et c'est celle qui a le plus d'ampleur, je vous l'ai dit, permet d'apprécier l'étendue de la conviction dreyfusarde dans le public. Donc, bon nombre de Français, pour certains très effacés dans les sources, dans d'autres types de sources, loin d'être indifférents, donc ont signé des pétitions. Il ressort, vous voyez donc ici une carte, donc quels sont les endroits les plus mobilisés? On voit, voilà, la carte qui est de France, là, elle confirme ce qu'on savait déjà, hein, que les milieux lettrés, que le poids des villes, particulièrement Paris, dans la protestation, est très important. Vous voyez aussi que proportionnellement à la population, le département le plus mobilisé, c'est le Gard. Et si on allait plus en détail dans le Gard, c'est le Gard protestant. Donc, les milieux protestants se sont beaucoup mobilisés. Si on regarde les statistiques sociologiques, on voit aussi que certains milieux ouvriers, mais pas tous. J'y reviendrai, on le voit peut-être si on regarde Paris, la carte de Paris, vous le voyez davantage, vous voyez que les quartiers qui sont plutôt des quartiers d'ouvriers qualifiés, on va dire d'ouvriers artisans, c'est-à-dire le 11e, par exemple, le 3e arrondissement se sont mobilisés. Les pétitions ont beaucoup moins suscité, ont eu moins de succès, pardon, dans un département comme le Nord. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de mobilisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres types de mobilisation. Il y a eu des manifestations, mais probablement moins de pétitions. Peut-être parce qu'on lié au risque, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors voilà, il y a ces voix. Alors ici, vous voyez les cartes, mais il y a aussi des voix, et j'y reviendrai peut-être, qui apparaissent parfois beaucoup plus silencieuses, les campagnes, les femmes, et parfois aussi, ce qui a été longtemps discuté, la participation des Juifs aux mobilisations est très importante. Au total, vous voyez que c'est un portrait assez éclaté de la France dreyfusarde. Il n'y a pas les contours de cette France dreyfusarde ne correspondent à aucune autre carte politique ou culturelle. Les caractères sont changeants d'une région à l'autre. En quelque sorte, il faut un faisceau, peut-être un faisceau de plusieurs facteurs de mobilisation pour que la mobilisation soit importante. Les pôles dreyfusards partagent un certain nombre de traits communs, de dispositions, on va dire, pour adhérer au camp dreyfusard, dont la combinaison va favoriser la mobilisation. Alors, je pourrais vous donner plusieurs exemples, mais voyez, par exemple, le pays de Montbéliard, où on a à la fois des protestants et on a à la fois un milieu ouvrier actif et se mobilise. J'avais envie, alors je pourrais donner un autre exemple. Par exemple, je voulais donner l'exemple d'Elbeuf. Vous voyez, on voit sur la carte que la Seine-Maritime, la Seine inférieure à l'époque est mobilisée. Les autorités locales sont d'ailleurs très, très attentives, on le voit aux archives, hein, sont très attentives à l'engouement des ouvriers du département pour la défense de Picard. Mais c'est à Elbeuf que la mobilisation est la plus remarquable, et ça c'est grâce aux ouvriers textiles de la ville. Les ouvriers, il y a 249 d'entre eux qui ont participé collectivement à la pétition du soutien à Picard dans l'Aurore le 4 décembre 1898. Tous les ouvriers de toutes les étapes de fabrication sont représentés, puisque tous les signataires ne mentionnent pas leur métier. Hein. Mais là, ils l'ont fait. Donc, il y a des apprêteurs, des retordeurs, des chaudronniers, des décatisseurs, des graisseurs de draps, des encolleurs, des essoreurs, des fileurs, des foulonniers, des graisseurs, des laineurs, etc. Toute une série de fonctions au sein de ces entreprises de filature. Et alors, voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Comment ? Alors, quelques jours plus tôt, il y a également parmi les signataires de l'hommage à Picard, Ernest Herzog, qui est aussi un grand fabricant textile elbeuvien d'origine alsacienne, puisqu'en effet, Elbeuf a accueilli en 1871 les usines de plusieurs familles manufacturières d'Alsace.
Vous voyez, ma carte est tronquée. Hein. C'est la carte sans l'Alsace-Moselle. Et donc, à Elbeuf, se sont déplacées ces familles d'industriels qui ont dû quitter, l'Alsace. Or, il ne faut pas oublier que Dreyfus lui-même était Alsacien. Et parmi les Alsaciens, beaucoup ne comprenaient pas et même étaient très blessés qu'on puisse accuser un Alsacien d'être un traître. Et voilà, donc ces Alsaciens, on le voit, probablement dans ces usines, hein, il y a eu une mobilisation. Il y a l'usine, et donc l'usine Frankel-Herzog, hein, dont les dirigeants ont choisi le camp Dreyfusard. Donc, comme le montre, outre la signature d'Ernest Herzog, des lettres adressées aussi à Lucie Dreyfus par Paul Frankel et sa famille. On trouve aussi parmi les signataires un certain Blin, dont le domicile est à Paris, mais qui précise aussi manufacturier. Et les usines Blin et Blin sont aussi Elbeuf et leur siège se trouvait avant à Bichevillers, comme celui des draperies Frankel. Donc vous voyez qu'on trouve ces manufacturiers qui sont des familles juives, alsaciennes, et beaucoup d'ouvriers de ces manufactures sont protestants. Donc, la solidarité protestante, la solidarité de minorités religieuses qui a joué dans le Gard, qui a joué dans le Béarn, qui a joué dans les Deux-Sèvres, elle joue aussi ici. Donc, il y a à la fois deux minorités religieuses qui ne se sont pas toujours peut-être intégrées dans cette Normandie catholiques, qui sont aussi des milieux ouvriers habitués à se mobiliser, alors là, cette fois, comme le patron, mais vous voyez qu'il y a un faisceau de raisons qui peut expliquer que ces ouvriers se mobilisent. Et puis, il y a aussi la langue qu'ils partagent, hein, le dialecte alsacien, qui est une unité qu'ils partagent aussi avec Dreyfus. Donc, voilà, cette appartenance alsacienne, ce sentiment d'appartenir à une minorité, cette habitude peut-être de la mobilisation, favorise cette entrée dans le camp Dreyfusard. Alors là, bien sûr, il est difficile de démêler les inclinations personnelles et les influences diverses qui ont pu déterminer ces individus à signer des pétitions Dreyfusard. Hein. Quelle est la part de leur protestantisme, du paternalisme de leur patron, de leur appartenance à la communauté alsacienne, mais voilà, on peut essayer d'y trouver des raisons. Outre les patrons, on peut aussi souligner parfois la présence de quelques figures influentes qui sont signalées par les rapports de police, des figures intellectuelles, des figures morales, peut-être des personnalités qui vont faire tourner et faire circuler les pétitions dans la région. Il y a par exemple beaucoup de lettres d'Élie Pécaud dans le Béarn, qui est le fils du fondateur de l'école de Fontenay-aux-Roses, Félix Pécaud, qui est un médecin protestant qui fait beaucoup signer dans son entourage. On peut imaginer aussi, mais ça je ne sais pas, à Aisy dans l'Eure et à Saussay dans l'Eure-et-Loire, ces deux communes qui sont en fait dans deux départements mais qui sont l'une à côté de l'autre. Il y a eu énormément de signataires, beaucoup de doublons d'ailleurs parce qu'ils ont écrit à plusieurs journaux, donc il y a presque plus de signataires que d'habitants. Et pourquoi y avait-il des signataires à cet endroit-là? Alors, parce que, plusieurs raisons, j'imagine, parce qu'il y avait là des ouvriers qualifiés, puisqu'il y a des ouvriers du peigne, de la corne, des peignes en corne, donc qui sont des ouvriers artisans, qui ont beaucoup signé, et aussi parce que l'intellectuel protestant Frédéric Passy a une maison dans cette région, dans cette commune, à Aisy. Donc, on peut imaginer qu'il a fait signer les pétitions dans ce secteur. Donc, vous voyez que l'étude des cartes du pétitionnement des statistiques socio-professionnelles permet de tracer des chemins, peut-être qui mènent certains Français à exprimer leurs convictions, mais évidemment, il reste encore difficile de mesurer ceux qui, dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans la conscience de chacun, finalement, ont pu déterminer des individus ordinaires qui ne connaissaient ni de près ni de loin les Dreyfus, qui n'avaient aucun lien avec eux, qui ne connaissaient, alors pour certains, là je vous ai donné un exemple de Frédéric Passy, mais pour certains qui ne connaissaient aucun Dreyfusard éminent, pourquoi ont-ils fait ce geste à la fois infime, hein, tout petit, anodin, mais aussi audacieux, de signer une pétition et de prendre l'initiative hardie d'écrire une lettre.
Je voudrais, pour finir sur cette partie, insister simplement sur l'importance des femmes dans ces pétitions, puisque il y a peu de femmes signataires dans le manifeste des intellectuels, mais 2 mois plus tard, donc il y a ces 2 appels qui paraissent, un appel aux femmes de France rédigé par Jean Sicary dans Le Siècle, qui invite les Françaises à ajouter leur nom à la suite, à la suite de quelques noms d'épouses de Dreyfusard célèbres, en fait, pour qu'on accorde, donc je l'ai dit, le droit à Lucie Dreyfus, le droit de rejoindre son mari à l'île du Diable. Et de manière concomitante, dans le même but, le journal La Fronde publie également une protestation. Alors, la première invite les femmes à la pitié, la deuxième, La Fronde, est peut-être plus offensive, mais elle est publiée à la suite d'une lettre d'une ouvrière fleuriste parisienne qui s'appelle Jeanne Chrétien de Beauve et qui envoie une protestation spontanée qu'elle a fait signer, qui a circulé dans son atelier et qu'elle envoie à La Fronde. Et pour le coup, c'est vraiment une militante réfusarde parce que cette Jeanne Chrétien de Beauve, on la retrouve de manière récurrente dans les pétitions de Dreyfusard, 2 fois dans la protestation à Picard, parmi les souscripteurs par exemple de la médaille pour Zola. Et donc on peut imaginer qu'elle a fait signer sa pétition dans son atelier, et l'origine de la pétition témoigne va beaucoup séduire, intéresser Séverine, qui est rédactrice au journal La Fronde, et c'est pour ça que le journal lance une pétition, puisque cette origine modeste témoigne l'intérêt de Françaises ordinaire pour l'affaire Dreyfus et de leur choix Dreyfusard. Donc, au total, donc la pétition du siècle, elle regroupe 1265 signatures, celle de La Fronde, 426. Donc, voilà, c'est des pétitions relativement modestes, mais elles sont lancées tôt dans l'affaire. Et finalement, elles sont comparables au nombre de signatures qu'a pu recueillir le manifeste des intellectuels. Les femmes, si elles ont répondu spécifiquement aux appels qui leur étaient destinés, elles se sont également inscrites dans des mobilisations pétitionnaires mixtes. Alors, modestement, pour le manifeste des intellectuels, je l'ai dit, mais dans les pétitions en faveur de Picard, elles représentent à peu près 14% des signataires. Les femmes, on les retrouve beaucoup aussi parmi les épistolières, puisque cette mobilisation, qui est publiquement invisible, même si les journaux de Dreyfusard l'évoquent régulièrement, sont une voie d'expression qui apparaît peut-être plus appropriée pour les femmes. Les femmes écrivent en grand nombre aux Dreyfus, surtout à Lucie Dreyfus, à leurs défenseurs, pour assurer leur conviction de l'innocence de Dreyfus. Plus du tiers des correspondants inconnus de Lucie et d'Alfred Dreyfus sont des femmes, et à peu près un sixième des correspondants de Zola. Et finalement, on peut penser que si elle choisit ce mode de mobilisation, c'est parce qu'il s'inscrit dans la continuité d'une occupation qui est vue comme typiquement féminine, qui est celle de la correspondance, et qu'elle se conforme ainsi à la représentation qui en fait des épistolières accomplies. Et finalement, c'est une continuité. Elles s'écrivent souvent à Lucie Dreyfus presque comme à une amie ou une membre, une cousine éloignée, je pourrais dire. Donc, c'est vraiment dans la continuité de la correspondance familiale. Donc voilà, l'affaire n'a peut-être pas divisé la France de haut en bas, comme l'a dit Proust, mais elle a bien concerné une partie non négligeable de Français. Et on voit bien un élargissement de la sphère politique à cette occasion. Voilà, c'était pour ça que j'avais mis cette illustration, mais je n'ai pas avancé pour les femmes. On voit ici un couple avec une femme qui lit effectivement l'aurore. C'est un dessin de Valoton, une gravure de Valoton. Quelles sont les étapes et les registres de la mobilisation? L'étude des lettres permet de sonder d'en bas, je l'ai dit, la réception des représentations de l'affaire, le regard de l'opinion sur ses péripéties et ses protagonistes. Donc ici, on voit Dreyfus qui avance, qui triomphe vers la vérité. Il faut un certain temps, mais cette appropriation de la cause Dreyfusard par une part de l'opinion emprunte plusieurs voies qui ne sont pas nécessairement concurrentes et que je vais évoquer. L'émotion, qui se nourrit à la fois de l'attention que les journaux portent au héros de l'affaire, l'assentiment intellectuel qui répond à la démonstration argumentée de l'erreur judiciaire, et aussi la revendication par les citoyens d'une participation à ce débat national. Alors là, je vais peut-être aller un peu plus vite. Donc, la montée de l'indignation, le temps du doute, le temps de la justice, le temps de l'émotion. Et puis, je verrai une affaire incarnée. Alors,
Ah, ça fait un plusieurs morceaux. Voilà, peut-être que la première étape ici, c'est celle effectivement, les premiers doutes, les premiers émois viennent donc avec l'investissement de Gabriel Monod et surtout avec l'enquête menée par Scheurer Kestner, qui est alors le vice-président du Sénat et qui est convaincu depuis l'été 97, grâce aux preuves que lui ont confiées Louis Le Blois, qui les tient lui-même de Picard, de l'erreur, enfin au moins de l'erreur judiciaire. Donc c'est un homme sérieux, il est âgé, il est vice-président du Sénat, il est alsacien, autant de qualités qui apparaissent comme des garants de son honnêteté. Et pourtant, les manifestations sont très violentes contre lui, à tel point que Zola a écrit un texte, un des premiers textes de ses premiers textes, avant même d'écrire J'accuse, pour sa défense. Et là, vous avez deux lettres adressées à Zola, donc vous voyez plus d'un mois avant l'apparition de J'accuse, qui évoque ce Scheurer Kestner. Rarement, j'ai éprouvé une si grande joie qu'en lisant l'article que vous consacrez à Scheurer Kestner. Et vous voyez, et au syndicat, hein, là, c'est le mot qu'utilisaient les anti-Dreyfusards pour dénoncer les Dreyfusards. On le voit aussi. Donc là, c'est un dessinateur céramiste. Le dernier, c'est un ouvrier d'Ivry-sur-Seine, le deuxième. Et vous voyez la dernière phrase, je mets au défi qui que ce soit de prendre un de ces travailleurs, le peuple, hein, issu du peuple, et de lui faire dire que M. Scheurer-Kestner n'est pas honnête, n'est pas juste et sincère. Donc l'engagement de Scheurer-Kestner est vraiment le premier temps du doute. Zola n'est pas le seul qui est touché par son engagement. Voilà, c'est un frémissement dans l'opinion, parce que l'opinion, pour une fois, entend un autre, je pourrais dire, un autre son de cloche. Et d'ailleurs, Gérard Kestner lui-même fait paraître une lettre dans la presse en novembre 1897. Il répond à une exhortation de Rank, puisqu'il fait son enquête, et on lui dit, mais alors, quel est le résultat de cette enquête? Il dit, je dois une explication à mes amis et au public. Hein, ses amis, c'est aussi ses amis inconnus auxquels on doit une implication. Donc, l'intervention de Zola va amplifier ce frémissement. Et donc, il a fait publier, alors, il y a plusieurs lettres hein, de Zola qui paraissent dans le Figaro, puis en fascicule, donc Monsieur Scheurer-Kestner, le syndicat, procès-verbal, lettre à la jeunesse, lettre à la France. Tout ça paraît avant la fin décembre 1897. En réponse à ces premières lettres, hein, Zola, comment, ben, il y a déjà de très nombreuses lettres, d'autant plus nombreuses que, que les violences dans la rue contre Scheurer-Kestner sont importantes. Hop. Le temps de la justice, le public est également très attentif aux soubresauts judiciaires de l'affaire et notamment aux différents procès qui émaillent l'affaire, d'autant plus que les journaux s'en font très largement l'écho. Donc le procès, alors, moins le premier procès du Conseil de guerre de Paris, mais ensuite hein, les procès de Dreyfus, évidemment, au moment de l'affaire, au moment du procès de Rennes, le public est suspendu à la publication des éditions spéciales in extenso hein, des audiences du procès, mais tous les procès indiqués comme connexes ici, le procès Esterhazy, donc au début janvier 98, le procès Zola, dont j'ai montré une image tout à l'heure en février 98, mais aussi l'affaire Picard. Et puis tous les procès, il y a encore d'autres procès entre Zola et Judée, entre Reynac et Henri, puisque Reynac avait accusé Henri. L'accusation, y a des accusations dans la presse qui ressortent une vieille affaire concernant le père de Zola. Enfin bref, toutes ces questions vont susciter beaucoup de comptes rendus dans la presse, et on voit qu'à chaque procès, il y a une inflation en fait de la correspondance. Le temps de l'émotion. Outre les événements clés de l'affaire, outre les tourments judiciaires, outre les retournements qui ont été retenus par l'histoire, plusieurs moments touchant plus directement Dreyfus vont créer une chronologie sensible de l'affaire. Par exemple, l'échec de la début janvier 1998, l'échec de Scheurer-Kestner à la présidence du Sénat. Il y a les articles très violents écrits par le journaliste Judé en mai 1998 contre le père de Zola. Le retour de Dreyfus, le temps où il revient en France. Tous ces moments qui concernent les protagonistes de l'affaire, qui les touchent intimement, vont aussi susciter une correspondance. Parmi eux, hein, et très important aussi, c'est les lettres d'un innocent, c'est-à-dire les lettres adressées par Alfred Dreyfus à Lucie Dreyfus. Ces lettres paraissent dans la presse, dans Le Siècle, en janvier 1898, et puis à nouveau en volume au printemps. Et donc, c'est vraiment le moment d'un processus d'identification, de compréhension. C'est
le public perçoit l'épaisseur du drame personnel, de l'intimité, et ces lettres sont pour beaucoup de lecteurs un gage de la sincérité, de l'authenticité, puisqu'elles n'avaient pas vocation à être publiées. Et elles donnent un portrait tellement touchant, en fait, de Lucie et d'Alfred Dreyfus qu'elles vont convaincre beaucoup de lecteurs. L'affaire est donc une affaire incarnée. Donc, Alfred et Lucie vont incarner l'affaire et leur personnalité vont susciter l'adhésion. Vraiment, il y a une composante émotionnelle de la reconnaissance et de l'expression de l'injustice. Il y a vraiment une très forte attention empathique qui est portée à ces deux personnalités. Au registre, finalement, il y a vraiment un élan, voilà, de compassion à leur égard, parce que le public va trouver des résonances, en fait, entre sa propre vie, même de manière anecdotique, et les souffrances de ceux auxquels... de ceux que l'affaire éprouve et auxquels ses lecteurs peuvent s'identifier. Hein, parfois, ça tient à la force des récits qu'en font les journaux, aux récits parfois un peu stéréotypés, hein, qui font de ces personnages des héros qui sensibilisent l'opinion. Donc Dreyfus, je l'ai dit, a été assez absent de l'historiographie, absent de son affaire. Il apparaissait comme froid. Hein. Il a fallu attendre la biographie de Vincent Duclerc en 2006 pour lui rendre justice. Mais... cette image, elle tient à deux moments. Cette image d'un homme froid, elle tient en partie à la dégradation de nombreux témoignages de l'époque, hein, qui Dreyfus, qui crie son innocence pourtant dans la cour de l'école militaire, mais qui apparaît trop raide, trop peu sincère. Ou encore Dreyfus, qui reste un militaire au moment du procès de Rennes. Et donc, il y a une forme de déception sentimentale de certains intellectuels. Dreyfus ne s'effondre pas, il reste très amaigri, affaibli, mais il garde une certaine rigueur militaire. Et cette attitude, au contraire, va beaucoup toucher une partie du public. Il est présenté à la fois comme un martyr et comme un héros. Et finalement, sa résistance à l'île du diable suscite de la compassion, de l'admiration. Et sa raideur même, sa volonté de rester un militaire qui ne flanche pas, va séduire une partie du public. Vraiment, l'image christique est très souvent utilisée, Dreyfus est très souvent comparé avec le Christ. C'est une comparaison qui est suscitée par la littérature dreyfusarde, hein, mais que les inconnus s'approprient. Il souffre, mais ce n'est pas une souffrance passive. Il apparaît bien comme défendant sa cause par sa résistance même. Et Lucie Dreyfus, elle est moins absente. Elle est tout aussi absente de l'historiographie, mais elle est moins absente sur le terrain parce que c'est elle qui représente Dreyfus en France. En fait, c'est à elle que s'adresse la plupart des lettres quand Dreyfus est à l'île du diable. Et elle devient vraiment une figure, je l'ai dit, au moment de la publication des Lettres d'un innocent, à la fin du mois de janvier 1998, elle devient vraiment une figure qui incarne l'affaire. Et les lettres, vraiment, ces lettres d'un innocent tracent d'elle un portrait très attachant, où ses qualités, finalement, vont forcer l'admiration de l'opinion. Ses qualités, sa résistance dans l'adversité, vont susciter beaucoup d'adhésion. Par exemple, une inconnue considère le bel exemple qu'elle donne à tous, et cela seul est bien la meilleure preuve de l'innocence de son mari. En effet, précise cette épistolière, un pareil dévouement ne s'égare pas sur un homme indigne. Alors là, j'ai mis un texte un peu long, mais parce que je le trouvais intéressant, qui est très précoce, hein, qui date de décembre 1897, qui est dans les archives d'Émile Zola, et c'est le chirurgien dentiste, c'est le dentiste de Madame Dreyfus, mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on voit qu'il décrit une scène qui pourrait édifiante. Donc, je compte au nombre de mes clients Madame Dreyfus, la malheureuse femme du malheureux capitaine. En lisant votre bel article, j'ai résolu de vous raconter fidèlement une scène bien émouvante à laquelle un de mes aides et moi avons assisté. C'était, voilà, tout d'un coup, donc elle est dans la rue, hein, et il sort sur son balcon et près et sous ses fenêtres, il aperçoit Madame Dreyfus tenant par la main ses deux enfants. À la vue des premiers soldats, cette pauvre femme s'arrête et se met à fondre en larmes. Elle ne pouvait se douter que nous la voyions. Je pensais un instant qu'elle allait se retirer sous la porte de ma maison, mais non. Campée fièrement sur le bord du trottoir, semblant défier tous ces soldats qui lui paraissaient des juges sans doute, elle les regarde défiler, son mouchoir sous les yeux. À un moment donné, « Ah, là, cher maître, il faudrait votre plume pour dépeindre cette scène. » Elle se tourne brusquement vers son fils, lui arrache, pour ainsi dire, le chapeau de la tête à l'instant où passait le drapeau tricolore. Donc, vous voyez que, voilà, elle devient un véritable personnage, Lucie Dreyfus, et c'est ça, c'est très, très, très frappant dans les lettres, un personnage qui suscite à la fois l'admiration et l'identification
et avec cette idée très forte qu'elle ne peut être, avec cette attitude, avec cette résistance, elle ne peut être l'épouse d'un traître. Même les journaux adverses vont l'épargner. Alors, voilà. J'avance parce que le temps tourne. Vraiment, alors là, je passe parce que je n'ai pas le temps. Il y a vraiment une lecture romanesque de l'affaire. C'est une lecture très sentimentale. Il y a un processus d'identification qui se nourrit aussi d'une culture qui est partagée par les lecteurs des journaux. En effet, l'appréhension de l'affaire est nourrie de la lecture de romans populaires, notamment d'un type de roman qui est très à la mode à ce moment-là, qui s'appelle « Le roman de la victime ». Donc, c'est l'histoire d'une erreur judiciaire, en vérité, hein, où un personnage perd tout son honneur, parfois son nom, et à la fin est réhabilité dans son intégrité morale et sociale, si vous voulez. Donc, on montre parfois, la lecture des lettres montre que parfois, l'affaire Dreyfus elle-même est lue comme un roman. Les journaux, d'ailleurs, à l'époque, hein, soulignent l'aspect rocambolesque de l'affaire. Ils font le lien avec un roman de Louis Letang qui est paru au même moment, et beaucoup de correspondants le soulignent. Alors là, j'ai passé vite sur un extrait paru dans Le Figaro, je crois, en 1897, où un homme fait la lecture de la presse quotidienne à sa femme. Il lui dit... une étape de l'affaire Dreyfus, et il y a un quiproquo, je le remettrai éventuellement à la fin, il y a un quiproquo parce qu'elle a l'impression qu'il lui lit le roman feuilleton alors qu'il lui lit l'épisode du jour de l'affaire Dreyfus. Et donc parfois on a pu dire que les lecteurs ordinaires ne pouvaient pas comprendre l'affaire parce qu'il y avait trop de rebondissements, c'était trop compliqué. Mais en vérité, si vous vous amusez à lire des romans de la victime de l'époque, vous verrez qu'il y a tellement de sous-intrigues, de sous-sous-intrigues, de rebondissements, que les lecteurs étaient quand même très, très habitués à lire des histoires très, très compliquées. Donc, le caractère dramatique... Voilà, il y a une lecture en famille, il y a un côté, voilà, il y a un mélange entre la fiction, d'autant plus que Zola est romancier, qu'il prend à sa charge la défense des Dreyfus. Donc, vous voyez, il y a parfois une porosité et on lit l'affaire comme si c'était une histoire. Alors, ici, j'ai mis, pour vous montrer, vous voyez, dans les lettres, dans le roman de la victime, souvent à la fin, donc le héros retrouve l'honneur de son nom et retrouve aussi sa situation initiale, il retrouve ses proches. Donc ici, c'est un extrait, c'est en allemand, mais on voit que c'est le retour de Dreyfus en France et le moment où il retrouve, avec une petite chanson, le moment où il serre dans les bras son épouse. Et alors ça, c'est très fréquent dans les lettres, beaucoup d'épistoliers, décrivent, espèrent, voudraient connaître le moment où Dreyfus va retrouver sa femme. Alors là, je ne la vois plus parce que j'ai l'écran qui se coupe. Hein. Voilà, j'aurais voulu être samedi chez vous, caché dans un coin pour écouter les secrets de votre cœur et voir le bonheur que vous éprouviez en pensant à l'absent qui, dans peu de temps, vous serrera sur son cœur ainsi que ses chers bambins, écrit une correspondante à Lucie Dreyfus. Ah, j'arrive plus à avancer. Hop, je remets. Ah! Alors là aussi, j'ai mis un exemple de Proust parce que Proust retraduit ça. Les larmes montèrent aux yeux de la jeune femme parce que j'ai eu l'imprudence de parler de Dreyfus. Le pauvre martyr, dit-elle en retenant un sanglot, ils le feront mourir là-bas. Tranquillise-toi, Zézette, il reviendra, il sera acquitté, l'erreur sera reconnue. Oui, mais avant cela, il sera mort. Enfin, au moins, ses enfants porteront un nom sans tache. Mais penser à ce qu'il doit souffrir, c'est ce qui me tue. Voilà, alors la question du nom, c'est aussi très fréquent dans les romans de la victime. Le héros est souvent obligé de changer de nom et l'idée de retrouver l'honneur de son nom à la fin de l'histoire est très fréquent. Et donc, on le voit ici, courage, votre mari vous sera rendu avec l'honneur de votre nom. Vous teniez surtout, avant tout, à votre honneur, à l'honneur de votre nom. Il vous est largement rendu. Votre nom, le nom de vos enfants restera entouré d'une auréole de respect. Votre nom, lavé de toute opprobre, pourra être fièrement porté. Votre nom est à jamais glorieux. Et ça, on le trouve très fréquemment dans les lettres.
Alors, le temps de l'émotion, je l'ai dit, mais aussi le temps de la réflexion. Il ne faudrait pas réduire l'affaire Dreyfus et l'attitude des Dreyfusards à une simple, à une affaire purement affective. Hein. Le choix des Dreyfusards est aussi un sentiment intellectuel qui est davantage encouragé, qui est davantage revendiqué en adhérant aux arguments développés par les intellectuels. Fondent aussi leurs convictions sur la preuve hein, et sur les raisonnements, sur des raisonnements argumentés. C'est-à-dire qu'ils reprennent les arguments des intellectuels et ils expliquent hein, ce qui les a convaincus. Ils légitiment ainsi l'intervention et la démarche intellectuelle. Ils en approuvent à la fois l'initiative et les modalités. Ils sont vraiment convaincus par les démonstrations de leur chef de file. Ils en approuvent les interventions en faveur de l'innocent. Et finalement, ils vont faire une lecture très attentive, très circonspecte même, du discours intellectuel. Un examen très précis de ce qu'ils peuvent lire dans la presse, des pièces que la presse reproduit, hein, puisqu'il y a les extraits du bordereau, par exemple. Et vraiment, en écrivant des lettres, en signant des pétitions, ils font leur... Hein, le registre intellectuel de la mobilisation. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois et légitime intellectuellement cette intervention des intellectuels. Ils vont citer Socrate, Galilée, Voltaire, Hugo, hein, les grandes figures intellectuelles qui finalement se réincarnent dans Zola. Donc, il y a vraiment une compréhension affective et intellectuelle qui se conjugue donc pour que les inconnus s'intéressent à un événement qui, a priori, pourrait leur être étranger et décident, bien qu'inconnus, d'apporter leur soutien à Dreyfus et à ses défenseurs. Hop. C'est aussi des citoyens vigilants et actifs, et je finirai avec ça, qui veulent partager leurs convictions politiques. Certaines lettres sont vraiment des témoignages de conversions argumentées, reprenant des extraits de presse, cherchant des contradictions dans les arguments adverses, s'appuyant sur une connaissance, soit de la hiérarchie militaire, soit de la graphologie, soit des procédures de justice. Donc, ils vont comparer les bordereaux, la façon de faire les D, les E, etc. Vraiment. Une conviction politique à partager, c'est aussi... une certaine idée de la République et de leur place au sein de la République qui mobilise les Dreyfusards inconnus. Ils font une analyse, hein, outre leur soutien aux personnes, aux acteurs de l'affaire, ils font aussi une analyse de la crise et ils mettent en avant une certaine idée de la France ou des valeurs républicaines, mais aussi du rôle qu'eux-mêmes doivent y tenir, finalement, loin des citoyens qui manifestent, loin des foules irresponsables, loin des foules hargneuses. Il y a vraiment une volonté pour eux hein, de se distinguer et de se présenter comme des citoyens à la fois responsable, actif, républicain et intelligent. Hein? Alors, donc ils font une analyse politique de l'affaire, ils vont dénoncer l'antisémitisme, ils vont ausculter la République, ils vont critiquer l'armée, mais d'abord ses chefs, hein, il y a vraiment une distinction qui est faite entre les chefs corrompus de l'armée et l'armée tout entière. Ils vont s'intéresser aux hommes de pouvoir. Hein, et très rarement, les anti-Dreyfusards sont nommément insultés, hein, mais on dénonce leur manque d'humanité ou de sensibilité, par exemple. Il y a même certains correspondants qui voudraient les remplacer par Zola, par exemple, hein, qui ferait un bon homme politique à leurs yeux. Ils dénoncent la presse aussi, ou la presse corrompue. Mais ils se présentent aussi comme des citoyens intelligents, c'est-à-dire que les lettres sont avant tout, je l'ai dit, des revendications de patriotisme. Donc, elles critiquent l'armée, mais elles mettent en avant l'expérience militaire, c'est-à-dire qu'ils sont des citoyens responsables et intelligents, ils ont fait leur service militaire. J'ai fait 4 années de service et cela me le donne le droit de connaître et d'apprécier votre héroïsme militaire. J'ai servi ma patrie dans l'armée pendant près de 40 années, j'ai eu 3 fils, l'un est mort dans une guerre coloniale, le second a été estropié en Algérie, étant à son régime. Le troisième est sous les drapeaux. Les femmes elles-mêmes hein, revendiquent leur mari, leur fils, hein, qui ont fait leur service militaire. Donc, ils sont des citoyens qui ont une expérience, qui savent de quoi ils parlent, c'est ça qu'ils veulent montrer. Ils portent une attention très précise à la presse nationale comme à la presse régionale. Ils vont alerter les intellectuels sur les méfaits de la presse, hein, les exhorter à publier des réponses, en fait. Hein. Ils vont envoyer des extraits de presse, hein, par exemple, quand ils ne sont pas d'accord. Ils envoient à leur leader, en quelque sorte, des extraits de journaux.
Et finalement, ils reconnaissent à la fois la légitimité des intellectuels à contester la raison d'État. Ils approuvent le rôle des intellectuels comme éducateurs, hein, censés éclairer et diriger l'opinion. Ils se considèrent comme les disciples des intellectuels. Et finalement, que font-ils d'autre? Ils signent des pétitions comme les intellectuels. Ils écrivent des lettres comme Zola a écrit une lettre au président de la République le 13 janvier 1898. Hein, ils se présentent comme une opinion éclairée, plus civilisée que la foule. Et finalement, l'insistance des intellectuels eux-mêmes à revendiquer l'alliance du peuple, hein, dans la défense de la justice et de la vérité est une manière de justifier l'engagement aussi de ces inconnus, et elle leur confère finalement une légitimité intellectuelle. Et beaucoup de correspondants assurent les intellectuels. Regardez, par exemple ici, c'est une correspondante de Nancy, hein, qui écrit Alfred Dreyfus, l'univers entier, les gens honnêtes et intelligents qui forment en France une imposante minorité sont convaincus de votre innocence. Voilà, pour les gens intelligents, ce n'est pas la qualité, la quantité, mais la qualité du suffrage qui vous ont été apportés qu'il faut considérer. Vous n'avez contre vous que des gens qui ne réfléchissent pas ou stipendiés par la presse. Donc, il y a un bénéfice aussi à participer à cette défense de Dreyfus. Hein, on appartient au milieu intellectuel. Bon, citoyens donc mobilisés, citoyens attentifs, enfin citoyens attentifs, intelligents, ils sont aussi mobilisés eux-mêmes, hein, envisagent par leur rôle, hein, d'aller plus loin, de participer à la défense de Dreyfus, de se mobiliser, de défendre ainsi les valeurs républicaines, les valeurs de vérité, de justice, mais aussi d'éducation populaire. Ils contribuent non seulement à la mobilisation, non seulement en écrivant aux leaders de la cause, mais aussi en distribuant eux-mêmes des brochures, en écrivant des lettres à leur entourage, en participant aux souscriptions, en surveillant leurs élus. Alors là, je vais peut-être vite, je vais vous donner un exemple, mais que je n'ai pas noté. Dans les Landes, aux archives départementales des Landes, par exemple, il y avait l'arrêté de révision, en fait, alors qu'il aurait dû être affiché, n'avait pas été affiché sur une mairie. Et donc, il y a quelques habitants d'un village qui s'adressent à leur préfet, en fait, pour dénoncer leur maire qui n'a pas affiché l'arrêté de révision qu'il aurait dû afficher. Donc, le maire répond au préfet, enfin, interrogé par le préfet, lui répond « Je ne savais pas qu'il y avait des intellectuels dans ma commune. » Alors, on peut penser qu'il y avait un peu de mépris dans ce terme intellectuel, puisque les gens qui ont écrit, c'est un simple vacher, un fermier du village. Mais on voit qu'il y a vraiment une volonté pour ces Dreyfusards inconnus de s'approprier, hein, les outils finalement démocratiques qui sont dont ils peuvent s'emparer. Et si on lit les pétitions et les lettres conservées, on peut relever le nom d'un certain nombre de prosélytes et constater qu'il y a vraiment des élateurs qui ne sont pas de premier plan, hein, comme disait le signataire, la première lettre que je vous ai citée, mais qui joue à l'échelle locale un rôle très important. Des inconnus, finalement, qui ont recruté des participants aux pétitions, qui ont fait signer des lettres collectives. On en trouve plusieurs exemples. Donc ici, j'ai mis un exemple de Mâcon. Hein. Si vous désirez, par exemple, faire signer une pétition à Mâcon, je me mets à votre disposition pour la garder chez moi, à la disposition de ceux qui voudraient la signer, peut en avertir le public, soit par les journaux, soit par une circulaire. Vous n'aurez qu'à envoyer le texte de la circulaire. Comme on ressemble assez en province et ailleurs au mouton de Panurge, je dirais bon que l'on puisse annoncer dans la circulaire que la pétition a déjà été signée à Paris par un certain nombre de personnes connues dont on donnerait les noms. Cela entraînerait des adhésions. Donc vous voyez que François Lanéry, hein, il a pris en charge la propagande politique. Je pourrais donner divers exemples. Hein, Élie Pécaud, dont j'ai parlé tout à l'heure, Gaston Cormouloulès, qui est un industriel protestant à Mazamé, Édouard Soulier, un pasteur, mais aussi deux frères, un pasteur et un médecin à Mulhouse, qui parlent qui évoquent une expression qui s'appelle les nœuds de vibration, pour dire qu'autour d'eux ils convainquent. Une Fanny Corr, qui écrit à plusieurs reprises son soutien à Joseph Reynac et qui, depuis la Suisse où elle est en villégiature, recueille des pétitions pour les faire signer. Enfin voilà, les Dreyfusards eux-mêmes, enfin les inconnus eux-mêmes, deviennent des Dreyfusards et des citoyens actifs.
Alors, je conclue parce que j'ai été plus longue. Enfin, voilà, j'ai un peu accéléré à la fin, mais j'essaie de tenir le temps imparti. Il me semble qu'avec ces sources, on peut voir que même s'il est minoritaire, il a bien existé un peuple de réfusards, d'inconnus, hein, qui ont vraiment voulu, qui représentent une petite frange de la population, mais qui, bien au-delà des cercles des intellectuels, de proche en proche, finalement, se sont convaincus et ont participé à l'affaire qui a bien été un événement national et qui a été l'occasion d'une mobilisation par le bas, en quelque sorte, pour des Français, mais aussi des étrangers, hein, là, je me suis concentrée sur les Français, pour qui cette mobilisation ou cette participation politique n'allait pas forcément de soi, mais qui, avec l'affaire Dreyfus, ont finalement vécu une expérience citoyenne qui les a, en a fait voilà, des citoyens accomplis. Je vous remercie.